L'UNEF reçoit la ministre de l'Enseignement supérieur et la coordination étudiante de son côté manifeste et s'indigne quelques mètres plus loin face à l'université qui pour eux remplit de moins en moins ses missions de service public. Et moi je suis à l'université Paul Sabatier, il y a 4 millions de déficits et il y a 1 million l'an prochain qui sera supprimé au niveau de la formation étudiante, ça veut dire que les professeurs qui partent à la retraite ne seront pas remplacés, c'est-à-dire l'entrée de la sélection au début de l'université, c'est-à-dire la suppression des rattrapages, donc tous les étudiants salariés qui ne peuvent pas mener à bien leur projet universitaire. Donc c'est des choses très concrètes qu'on a envie de dénoncer et pour lesquelles on veut se faire entendre. La ministre répondra aux étudiants le vendredi 19 avril.